Elisabeth Madré qu'elle a dû te faire plaisir. Oui, oui, elle a confirmé ce qu'elle m'avait montré au travail. La pouliche est une pouliche que j'estime depuis le départ. Un point négatif, c'est qu'elle s'est lancée sur trois foulées de galop, chose qu'elle m'avait jamais fait avant. Donc il faut bien faire attention qu'elle ne prenne pas ce pli-là. Bon, c'est vrai qu'on était ressortis, je suis rentré, tourné un peu court, mais bon, le entrée et ressorté, ça fait partie du métier des chevaux de course pour être vraiment performant. La chose positive, c'est qu'elle m'a confirmé que c'était une voiture de course, c'est un vrai kart. On peut mettre des coups de volant, faire des dérapages, passer en dedans d'un piquet, voilà, et ça me plaît. On va l'avoir débuté quand celle-là? Sincèrement, je sais pas. Pour l'instant, elle va faire partie des Français qui ont le droit de partir en vacances. Donc comme on est au mois d'août, elle s'en va au bord de la mer. Christophe, un poulain remarquablement né, bien qualifié. Ouais, c'est un poulain qui trotte, donc c'est la première fois qu'il naît, donc il est assez vert, hein, il s'est retrouvé à mi-tournant tout seul, donc il a eu du mal à finir, mais pas plus parce qu'il était perdu. Donc mon boulot va s'arrêter là, donc c'était un cheval en pré-entraînement, donc il va aller dans une grosse maison, je pense. C'est quoi ses qualités principales? Il est dur? Il est peut-être pas encore en relation durci, c'est peut-être pas un cheval à courir cette année. Mais il a une facilité naturelle de trotter, donc il a ça pour lui, c'est qu'il n'a pas besoin de poids et puis il est trotteur naturel. Bon, tout s'est bien passé. Bah ma foi, ouais, pas mal. Est-ce que vous attendiez à le voir se qualifier comme ça? Bon, il s'est bien qualifié. Bon, enfin bon, c'est un cheval correct, hein. C'est un trotteur. C'est pas une surprise qu'il soit qualifié, mais c'est bien qualifié. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son papier et puis également de l'évolution que vous comptez avoir avec lui? Bah ça, c'est un cheval qu'il faut, je pense, laisser se reposer un peu. Hein, il a fait le premier kilomètre très vite, en fait. Plus vite qu'on pensait. Donc il faut le laisser. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut l'arrêter, mais de toute façon, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il prenne de la force. Faut, hein. C'est un petit peu la politique Montesson, on laisse vieillir. On laisse vieillir, voilà. Merci. On regarde et puis on laisse vieillir après. Merci. Sylvain, c'est avec Franck Ouvry, bah, ça se passe bien en ce moment. Non, c'est bien. Bah, comme on travaille tous les deux, maintenant, c'est lui qui passe tout et on a un bon jugement. Ouais, et vous êtes armé dans l'essai là, parce que encore aujourd'hui, bah, qualifié avec la manière, c'est plutôt ouais, cool. Ouais, j'avais sélectionné un tout petit peu plus que l'année dernière et celle qui vient de passer aujourd'hui, elle n'est pas précoce, mais c'est une petite jument sympa aussi. Hein. On va la voir débuter quand celle-ci? Ouais, je sais pas, on va en causer avec le propriétaire, je pense, mais je sais pas si elle peut débuter cette année, ça m'étonnerait. Des nouvelles de celle qui s'est qualifiée avec un jour? Ah, Capucine, c'est bien. On voulait la débuter à Vichy, PMU, et en fin de compte, on va attendre un petit peu. Moi, je pense qu'on va attendre plutôt Chartres et tout ça. Comme ça, ses propriétaires pourront venir la voir. Oh,
Bah, l'e-sport, c'est un élément tardif. Oui, il ne trouvait pas trop les réglages. Et on nous l'a envoyé parce qu'elle était un peu compliquée. Des gros problèmes dans la bouche, on ne peut pas trop en faire ce qu'on veut. Et mon chef, il a mis un mort en mousse un peu dans la bouche. Et elle va tout seul, il ne faut surtout pas la reprendre. C'est une pouliche qui a l'air d'avoir son petit tempérament. Ouais, beaucoup de caractère. JF, quel tandem avec Christopher Nicole au calife? Ah oui, à chaque fois ça se passe bien. Là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce poulain? Bon, c'est pas mal, il y a beaucoup de poids sous les pieds, mais apparemment c'est pas mal. On l'a vu vraiment plein de joie, Christopher, au passage du poteau. Est-ce que c'est un espoir dans l'écurie, tu le sais, ou en tout cas, toi, les sensations que tu as eues, c'est quoi? Non, mais Christopher est toujours comme ça, toujours euphorique. Hein. Je crois que si un cheval travaille bien, il sera en l'air aussi. Hein. Donc non, il est content parce qu'il l'avait loupé d'un dixième la dernière fois, et là, il s'est pas mal qualifié. Tristan, il y a le chrono et la manière. Ouais, le chrono est bon et la manière aussi, elle est bonne, vraiment super jument, agréable dans les autres, tout le temps facile. Oui, c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est la facilité. Bah ouais, j'étais tout le temps au petit trot et elle m'a fait juste une petite foulée de galop sortie de tournant. Mais après, une fois qu'elle était bien repartie, elle est bien finie jusqu'au poteau. Non, c'est propre. On va l'avoir débuté quand? On va voir comment elle récupère. Bon Franck, quel tandem avec Sylvain Perraguin là dans les qualifications, on voit que vous. Ouais, on voit que nous, je sais pas, mais bon, au moins on qualifie ce qu'on a présenté, non? Mais avec Sylvain, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc non, c'est un travail d'équipe. Là, aujourd'hui, bah, deux pouliches qualifiées, la première dans un bon style et la deuxième dans un très bon style, j'ai envie de dire. Ouais, superbe, les deux dans un très bon style, c'est pas deux juments précoces, on les reverra sûrement, je sais pas ce qu'on va voir avec Sylvain et ses propriétaires, mais ça fera deux bonnes juments pour l'année prochaine, le printemps prochain. Ouais. C'est quoi leur qualité première à ces deux pouliches-là? Ils sont gentils et puis ils sont capables d'aller devant, et tous les deux ont fait les derniers 500 mètres très bien, quoi. On va les voir débuter cette année ou pas? Je pense qu'ils vont aller au champ là, mais je vais revoir ici là.